Élève-le, élève-le. Il est Dieu, il est tout puissant. Toute la gloire lui appartient. Il est le vaillant guerrier. Il n'a jamais perdu aucun combat. Sois-en sûr, sois rassuré que dans cette situation, tu sortiras plus que vainqueur. Sois rassuré, quel que soit le temps que ça prend, sache qu'il est là, il combattra pour toi. Il combattra pour toi, il te parlera. Il te parlera, il te dira quoi faire. S'il te dit, jeune, s'il te dit, loue, s'il te dit, adore, il choisira lui-même le chemin par lequel il passera pour te parler. Élève-le, il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré. Il est un Dieu amour, c'est lui l'amour. Il est glorieux, par son amour il nous a attirés à lui. Cet amour manifesté sur la croix nous a attirés à lui. Et aujourd'hui nous voulons l'adorer, aujourd'hui nous voulons encore mieux le connaître. Aujourd'hui, nous voulons encore nous approcher de plus en plus de lui parce qu'il nous a démontré cet amour que nous ne connaissons pas. Il nous a montré un amour dont nous ignorons, car il est l'amour, la source même de l'amour, c'est lui. Et je t'invite à pouvoir l'adorer, je t'invite à pouvoir le parler parce qu'il veut t'entendre, il veut t'écouter, parce qu'il t'aime, il aime ta voix, il aime entendre ta voix, il aime t'entendre, car tu es son enfant, car tu es son enfant. À toi qu'il a choisi, à toi qu'il aime, il veut t'entendre, parle-lui, c'est ton père, il t'écoute. Même si nous sommes 50 ou 55, peu importe, il écoute chacun d'entre nous en même temps. Il écoute chaque mot qui sort de notre bouche, même quand les mots te manquent, mais le cœur ne cesse de parler. Le cœur ne peut cesser de parler à celui qu'on aime, Jésus. Je t'aime. Gloire à Jésus-Christ, le roi.
Je suis libre et je veux te louer de tout mon cœur. Yeah.